notre spécialiste outillage chez Cooks & Clal. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter nos différentes résines de couleur époxy. Donc les résines époxy, on a diverses gammes. Donc vous allez retrouver les résines de couleur transparente. On va avoir aussi les résines opaques, ainsi que les résines nacrées qui vont vous donner un effet perle et les résines pailletées. Donc pour toutes ces résines-là, à chaque fois, c'est toujours deux parts de résine pour une part de durcisseur. Sachant que pour les résines pailletées et nacrées, vous n'aurez besoin uniquement que du durcisseur à utiliser avec ces résines-là. Ne surtout pas mettre de la résine transparente, sinon ça va vous annuler l'effet perlé. Et les paillettes, pareil, elles vont tomber dans le fond, elles ne seront pas en suspens. Donc les nacrées et les pailletées, à n'utiliser qu'avec le durcisseur de type A. Donc pour 1 g de résine, vous allez mettre 0,5 de durcisseur. Alors bien faire au poids avec une balance. Parce que si vous ne mettez pas assez de durcisseur, cela ne peut ne pas durcir du tout. Ou alors ça va durcir, mais ça va rester mou juste avec votre ongle, vous arriverez à faire une marque. Donc pour 1 g de résine, bien mettre 0,5 de durcisseur, quitte à mettre 0,6, 0,7, vous aurez vraiment une résine bien durcie, sachant que les résines vont durcir à peu près en 12-14 heures. Ensuite, vous avez les résines donc opaques. Donc pareil, vous allez prendre de la résine transparente. Au poids que vous allez avoir de résine transparente, vous allez mettre 5% de résine de couleur opaque. Vous mélangez bien le tout et ensuite vous mettez la moitié en durcisseur, quitte à mettre légèrement plus. Et sinon, après, on va avoir aussi les résines de couleur transparente. Donc pareil, qu'on peut utiliser directement avec le durcisseur, qui va vous donner par exemple une résine relativement transparente, mais quand même encore assez foncée. Après, bien sûr, si vous voulez partir sur une couleur encore plus translucide, à la couleur transparente, vous allez rajouter de la résine transparente de manière à avoir une résine de couleur vraiment très translucide. Donc ça, c'est utilisé directement avec le durcisseur. Et là, j'ai mélangé aussi avec de la résine transparente pour avoir une couleur encore bien plus claire. Donc, ce qui est essentiel dans les résines, c'est qu'il faut bien faire avec une balance, bien au poids, de manière à ce qu'on ait un bon mélange de la résine et du durcisseur. Toujours 2 parts de résine pour 1 part de durcisseur, de manière à avoir un résultat qui va être vraiment bien dur. Ensuite, comme vous pouvez voir, nous avons différents moules aussi. Donc, on a le moule bracelet, un moule étoile ou moule cabochon, de manière à faire vos propres réalisations. Nous avons aussi ce silicone à faire soi-même, de manière à réaliser votre propre objet. Par exemple, sur le cabochon, on peut y inclure des petites pierres, photos, plumes ou tout autre. Donc sachant que la résine va sécher à peu près en 12-14 heures, si vous voulez inclure certaines choses dans la résine, vous allez faire en 2 étapes. Vous allez faire déjà le fond, une première couche de résine transparente que vous allez laisser durcir. Et une fois que la résine aura durci, le lendemain, vous pourrez venir mettre soit une plume ou des petits brillants ou autre, et ensuite couler par-dessus de manière à ce que les objets que vous aurez mis à l'intérieur de la résine soient bien au milieu et ne tombent pas dans le fond. Donc voilà concernant les résines. Donc bien faire au poids. Si possible, avoir un support quand vous allez travailler de manière à ne pas salir la table. Il est conseillé aussi d'utiliser des gants de manière à ne pas en mettre sur les mains. Et puis, je vais vous montrer, par exemple, sur une petite pièce, comment réaliser, par exemple, la couleur rouge comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer la réalisation, par exemple, pour faire une couleur opaque rouge comme ça. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de la résine de couleur rouge opaque, de la résine transparente ainsi que de durcisseur. Il est conseillé quand même de travailler sur un support de manière à ne pas salir votre table et d'utiliser aussi des gants de manière à ne pas vous en mettre plein les mains en fait. Alors pour ceci, il vous faudra des petits pots en plastique. Donc vous pouvez aussi également retrouver sur notre site ou utiliser tout autre pot en plastique. Ensuite, il vous faudra un bâton ou tout autre de manière à mélanger vos résines. Donc là, on a mis le pot, on va le tarer. Hop, on va commencer par inclure la résine. Donc ça va être la résine transparente. Donc là, par exemple, je viens de mettre 2 g de résine transparente.
Donc pour ce fait, il va falloir que je mette à peu près 0,10 de résine opaque de couleur. Alors, il est conseillé d'avoir aussi du papier sopalin près de vous pour toujours nettoyer vos pots ou bien vos ustensiles que vous allez utiliser. Alors là, vous allez commencer déjà par mélanger la résine de couleur avec votre résine transparente. Donc maintenant, nous avons 2,10 g de résine de couleur transparente ainsi que l'opaque. Maintenant, on va mettre la moitié en durcisseur. Alors là, bien mélangé. Alors sachant que la résine va sécher à peu près en 12-14 heures à peu près, mais elle va commencer à, on va dire, à durcir au bout de 45 minutes. Donc une fois que vous avez fait votre mélange, vous avez 45 minutes pour pouvoir l'appliquer sur vos différentes pièces. Donc là, par exemple, je vais le faire tout simplement sur une petite pièce en argent, comme ceci. Donc là, moi, je vais couler directement la résine sur la pièce, mais après, pour l'appliquer, vous pouvez très bien utiliser un petit pinceau à borax, ou si c'est des petites parties, même une épingle ou une lame de scie, vous pouvez venir appliquer comme ça directement dessus. Et après, avec mon petit bâton, je vais venir un peu étaler. Alors, comme vous pouvez le voir, ces résines, il faut quand même qu'il y ait une légère cloisonnement pour pouvoir l'appliquer, parce que sinon, elle coulerait de partout. Mais le cloisonnement n'a pas besoin d'être très épais, parce que comme vous pouvez voir sur une pièce d'argent, le contour de la pièce est vraiment très infime. Mais cela est suffisant de manière à ce que la résine ne coule pas de partout. Donc là aussi, petit conseil, c'est que surtout sur des grandes surfaces comme celle-ci, parfois il peut y avoir des petites bulles qui vont se faire à la surface. Donc, afin de les éliminer, il vous suffit juste de prendre un briquet, de venir mettre un coup de flamme légèrement sur le dessus de votre pièce, comme ça va faire éclater toutes les petites bulles. Et ce qui est conseillé aussi après, c'est de mettre une cloche sur votre pièce, de manière à éviter toute poussière ou toute autre qui pourrait venir se coller dessus durant le durcissement, qui met quand même, comme je vous rappelle, à peu près 12 à 14 heures en fait. Donc voilà. Pour réaliser une pièce comme ça. Donc, au bout de 12-14 heures, vous aurez ce rendu-là, complètement dur, que vous pouvez aussi retravailler derrière, soit le repolir ou l'émeriser ou autre. Vous avez les fameuses donc résines transparentes. Après, vous avez les résines nacrées, comme vous pouvez voir, qui donnent un effet perle, comme ceci. Ça, c'est aussi encore une autre couleur nacrée. Et puis, vous avez aussi, par exemple, celle-ci, où vous utilisez de la couleur blanche.
nacrée et à laquelle vous venez mettre de la résine de couleur transparente de manière à faire votre propre couleur. Donc là, par exemple, ça a été mis avec du bleu. Ce qu'il est conseillé aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait couler votre résine pour les effets nacrés, au bout d'une demi-heure, 40 minutes, vous venez avec une petite épingle de manière à mettre en forme, à faire des petites vagues ou à donner un effet perle à votre pièce. Après, vous pouvez très bien utiliser aussi ces différentes résines pour les appliquer, par exemple, là j'ai fait à l'intérieur d'un petit cœur, donc vous mettez du scotch sur l'arrière de votre pièce. Vous venez couler votre résine et puis ensuite vous enlevez le scotch, un petit coup de poli, ça vous permet comme ça de remplir certaines petites pièces. Vous retrouverez également sur notre site les différents moules, donc le moule cabochon, moule étoile et nos moules aussi pour bracelets. Nous avons aussi le moule à mélanger soi-même de manière à réaliser votre propre pièce. Donc voilà le principe de la résine. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est bien respecter les poids de résine et de durcisseur, et à partir de là, vous aurez un bon résultat, et puis après, à vous de faire vos créations. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.